J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le spécial fond. Si vous ne savez pas ce qu'est le spécial fond, je vous mets la liste de lecture en barre, pas en barre d'infos. Dans le petit, ça commence bien la vidéo, je me trompe déjà. Ça promet. Donc, aujourd'hui, on va faire trois fonds ensemble. J'essaie toujours d'en faire trois. Des fois, à l'exception, il n'y en a que deux, mais là, aujourd'hui, on va en avoir trois. Donc, on va utiliser du matériel que je vous ai présenté récemment, que je n'ai pas encore utilisé en vidéo avec vous. Donc, on va utiliser les encres Liquitex. On va aussi utiliser les Art Bar de Derwent. Et, bon, on va utiliser de l'aquarelle. Donc, on va avoir trois modèles. Et, bon, j'ai choisi des modèles dans Anacarzone. Hein, vous êtes habitués, on prend toujours les livres d'Anacarzone. Donc, on va prendre l'insecte ici, vu qu'on a un beau grand fond vide à faire. Ensuite, on va aller dans la... C'était dans le Summer Night. Et ensuite, dans la boîte à bijoux, j'ai choisi deux images. J'ai enlevé une page parce que, bon, c'est des livres de test, donc je m'en fous un petit peu. Donc, on va prendre celle-là avec le gros bijou. Et aussi celle-ci avec les bouteilles de parfum. De toute façon, vous allez tous voir ça plein bureau. Donc, on va commencer tout de suite parce que ça a des vidéos quand même assez longues à faire. Donc, prenez-vous un petit café, une petite collation. On va papoter, on va s'amuser, il va peut-être arriver des catastrophes, ça va peut-être être beau, ça va peut-être être laid, on sait pas. Donc, on passe pour le bureau. Donc, les amis, on va commencer. On va y aller tout de suite avec le petit bijou que j'ai découpé dans mon livre. Parce que comme ça, ben, j'ai juste besoin de deux livres. Je suis pas obligée d'attendre que tout sèche pour pouvoir continuer. Donc, j'ai déjà mes trois pages et là, je me cherche quelque chose pour pouvoir me mettre dessus. Je vais prendre mon truc ici. J'ai tout préparé, mais hein, il manque toujours quelque chose. Donc, je vais me mettre là-dessus. Voilà. OK. Donc, ça, vous pouvez retrouver cette image-là dans la boîte à bijoux que je vous mettrai en barre d'infos. Hein, mais bon, je pense que vous les connaissez déjà, les livres de Anacarzone. Et là, j'ai l'impression que je filme d'un peu trop près parce que vous ne voyez pas en entier mon truc. OK. Donc, je vais faire un ajustement. Je vous reviens. OK. Là, vous voyez tout. Voilà. OK, donc là, je vais prendre un pinceau réservoir d'eau et on va commencer tout de suite avec le fond au Art Bar de Derwent. Si vous ne savez pas ce que c'est ceci. C'est un peu comme les Neocolor 2, mais c'est de la marque Derwent. Et je crois que c'est discontinué, les amis, mais bon, je me dis que je suis probablement pas la seule à les avoir achetés, hein, parce qu'il ne devait pas avoir juste une boîte qu'ils ont faite, puis c'est moi qui l'ai acheté, là. Donc, je me dis que peut-être qu'il y en a parmi vous qui les ont. Et puis, ben moi, je les avais eu vraiment, vraiment pas cher chez H&M, une super belle aubaine. Il y en a encore à l'unité, hein, ils se vendent encore à l'unité chez H&M, si jamais vous en avez un près de chez vous. Je les ai pas vus ailleurs. Michael, Omar de Serre, j'ai pas vu ça, mais bon, peut-être qu'il y en a encore d'occasion, je sais pas. Vous me direz si vous les possédez, ces petits trucs-là, mais vraiment, je comprends pas pourquoi Derwent a arrêté de les faire, parce que c'est vraiment un super beau matériel, ça se travaille super bien. Je les ai utilisés deux fois, je pense, ce mois-ci, dans des coloriages, et puis j'ai adoré. Donc, ben, je me suis dit que j'allais en faire un fond avec vous aujourd'hui, et j'ai choisi trois teintes. On va utiliser le A58, le Alizanine. Je vous le montre de plus près, ici. On va aussi utiliser le Soft Lavender, le A26. Le Vivid Pink A24. Et j'ai aussi pris le blanc. Et le blanc de ces trucs, il est merveilleux. Et j'ai aussi pris ceci. Les Easing Diamond, vous savez, les petites paillettes là en genre de compote. Parce que, bon, on ne les utilise pas assez souvent, puis j'ai envie de les intégrer au fond. Et puis, comme ceux-là, ce sont les des couleurs roses, je vais vous dire, c'est rose. Ouais, c'est rose, la couleur. Donc, je me dis que ça pourrait être génial de les mettre dans un fond. Et ensuite, on va faire le fond au Acrylic Ink Liquitex, hein, que ma copine m'a offert un super de beau kit. Ma copine Mimi, je remercie encore. On va aussi utiliser cette peinture acrylique-là, qui est une peinture argentée, avec des petites paillettes fines pour notre fond au Liquitex, hein, qui va être dans des teintes de bleu, parce que j'ai pris trois teintes de bleu. Et pour terminer, on va y aller avec la palette d'aquarelle Artistro. Ça, ça va être pour notre troisième fond, parce qu'on fait trois fonds dans le spécial fond à chaque mois. Je sais pas quelle couleur je vais faire, mais j'ai sorti aussi cette peinture acrylique-là, qui est peinture acrylique glitter couleur or. Et ça aussi, c'est de la petite paillette fine. Donc, je sais pas quelle teinte je vais prendre, on verra bien.
C'est un peu le troisième fond, je sais jamais. J'ai tout le temps deux idées de base, puis après ça, le troisième fond, je l'improvise un peu, donc c'est ça qui est drôle. OK, pinceau aux avoirs d'eau, j'ai pris celui des artistes trop parce que je trouve qu'il va super bien. Donc là, ben les artboards de Derwent, ben ça fonctionne un peu comme les Neocolor 2. Donc on va venir colorier, et ensuite on va aquareller. Donc, je vais commencer avec ma teinte la plus foncée. Je vais faire comme que je fais tout le temps. Je vais faire des petits barbeaux. Je vais mettre quand même pas mal de pigments sur mes rebords de feuilles parce que je veux que ce soit plus foncé à ce niveau-là pour donner vraiment un effet de lumière tout autour de mon petit bijou. Donc, on commence avec elle. Je vais l'appliquer en petit tourbillon comme ceci. Ensuite, je vais venir appliquer les autres teintes que je vais dégradé au travers de chacune de mes teintes. Et ben après ça, on va aquareller ça. On va mettre la petite paillette dessus, puis on espère que ça va être beau. Donc, je vous laisse regarder pour cette teinte-là. Hein. C'est pas compliqué, je me casse pas la tête avec ça. Je vais vraiment beaucoup plus insister ici sur les rebords. Hein. On s'en fout un peu de comment on l'applique, parce que bon, on va l'aquareller. Donc, ça va pas... ça va pas paraître. On essaie quand même de pas faire des... Moi, je le fais en tourbillon parce que je trouve que ça se mélange mieux plutôt que de faire des traits. Parce que des fois, les traits, on dirait qu'ils sont difficiles à enlever quand on vient aquareller. Donc, je vous laisse regarder pour cette couleur-là. Je vous reviens pour les prochaines. Hein. Je fais un peu d'avance rapide parce que c'est quand même assez long de faire trois fonds dans une vidéo. Donc, je vous laisse regarder. OK, donc là, un coup que j'ai terminé avec celle-là, je vais y aller avec le soft lavender. Et celui-là, j'ai dû le coller avec de la colle à ongles parce que c'était brisé en trois. Je trouvais que ça n'allait pas super bien pour le travailler. Et ben ça, j'ai trouvé cette technique sur la chaîne de ma copine Simone Color. Donc, si vous ne connaissez pas ma copine Simone, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. D'ailleurs, je suis en train de... Ça fait, ben là, ça va faire la deuxième fois que moi et Simone, on s'envoie des colos. Hein. On a fait des colos vraiment en duo. Chacun, on faisait notre moitié. Hein. Vous l'avez sûrement déjà vu si vous suivez la chaîne régulièrement. Et puis, j'ai reçu le colo de ma copine. Et là, ben, il me reste à faire ma partie. Mais bon, je sais que dans sa vidéo, elle a dit qu'elle attendait de voir ma partie. Mais je ne l'ai pas encore commencé parce que je fais mon défi Disney au mois d'août. Donc, ben, comme c'est un colo de Jasmine Beckett Griffith, ben, j'ai pas encore commencé, donc je vais le faire au mois de septembre, Simone, ne t'inquiète pas. Je vais t'envoyer ça aussitôt que c'est fait, si jamais tu passes par là, hein, j'espère. Sinon, ben, tu ne sauras pas. Mais bon, au pire, je vais lui écrire et vous voyez, je l'ai cassé. Donc, j'ai peut-être pas attendu assez longtemps, mais bon, on va le mettre de côté. J'échappe à terre. C'est sûr qu'il s'est cassé. C'est ça, je vous disais, c'est ça les spéciales fonds, hein? C'est toutes sortes de niaiseries. C'est une vidéo un peu pour papoter ensemble, faire des petites tests. Je sais que vous aimez bien cette vidéo-là parce que c'est une vidéo quand même qui ont assez de vues sur la chaîne, hein? Je regarde, pour savoir qu'est-ce qui vous plaît. Et je sais que vous aimez bien cette vidéo-là, c'est pour ça que je continue de la faire une fois par mois, mais je vous avouerai que... Je commence à manquer d'idées, les amis. Et le mois passé, j'avais demandé de me dire en commentaire si vous aviez des idées. Puis j'ai toujours pas sorti cette vidéo-là encore. Puis là, j'en tourne une autre. Ah, c'est fatigant qu'il s'est brisé, par exemple. Ils sont pas. Sont très très crémeux, hein, donc il faut faire attention quand on les utilise. On leur recollerait plus tard. Bon, finalement, j'ai parlé tout le long de celui-là. J'ai fait la même chose, hein, comme vous avez pu voir. Je l'expliquais pas vraiment parce que, bon, c'est vraiment juste du barbeau. Je l'ai mélangé un petit peu dedans. Là, on va y aller avec le Vivid Pink, le A24. Et on va continuer. J'espère que ça va faire joli. Et on va aquareller tout ça. Et le blanc, ben, ça va être pour mettre tout le tour de mon bijou pour pouvoir vraiment garder un genre de faire comme s'il y avait une lueur autour de mon bijou. OK, bon, je continue ça. Après ça, je vais terminer avec le blanc. Donc, je ne vous reviendrai pas d'ici le temps que je vais avoir appliqué le blanc. Donc, je vous laisse regarder. Je vous reviens quand on va aquareller.
OK. Donc, pinceau réservoir d'eau, petite lingette, parce que, bon, je vais venir essuyer mon pinceau entre-temps, pour pas... parce que je veux quand même garder le foncé tout le tour et que ça s'en vienne plus pas. Vous avez compris. Donc, je prends le pinceau réservoir d'eau des Artistro, et là, ben, j'ai du Winsor & Newton dedans, donc je vais le nettoyer, parce que je l'ai utilisé hier dans un colo Disney. OK, bon, c'est parti. Donc là, je vais aquareller du plus clair jusqu'au plus foncé. J'essaie de faire ça. Je vais faire des petits tourbillons pour enlever ben, toutes les traces de la craie le plus possible. Et j'espère que ça va faire joli. Donc, hein, je fais des petits tourbillons. Je monte dans ma couleur. Et là, ben, quand je vois qu'il y a trop de couleurs sur mon pinceau, c'est là que je vais me servir de mon petit linge pour pouvoir... essuyer. Donc, je vais faire vraiment petite partie par petite partie. Hein. Je ne vais pas essayer de le faire trop d'une traite. Donc, qu'est-ce que je fais, les amis? Je vous fais un petit peu d'avance rapide pour regarder ça. Et là, j'hésite. Je pense que je vais prendre ma plume, mon pinceau plume pour continuer parce que lui, je trouve qu'il est trop petit. J'irai plus vite avec ma plume parce qu'elle est un peu plus grosse. Donc, je pense que... Ouais, je pense que j'irai avec la plume. Là, j'amène un peu la couleur foncée ici. Parce que je trouve que ça va être beaucoup trop pâle sinon. Donc, je vais le tapoter un peu. Et le mélanger ici dans ma deuxième couleur, dans le fond. Je vais le remonter. Je vais jouer avec. Je vais jouer avec mon pigment. Parce que vous pouvez quand même jouer assez longtemps avec. Hein. C'est un peu comme les Neocolor 2. C'est pas comme les Derwent Intense qui, eux, plutôt que... Ils vont plutôt plaquer, donc on va avoir de la difficulté à revenir jouer dedans. Mais ça, les hardbars, c'est quasiment la même chose que les néocolores 2. Donc, ouais, est-ce que je prends ma plume pour continuer ou pas? J'essaie de faire un petit peu des effets nuageux. Parce que vous voyez, je voudrais faire des plus grands tourbillons, puis j'y arrive pas avec mon pinceau réservoir d'eau. Donc, ouais, je pense que je vais switcher avec ma plume. Je l'avais emmenée. Je me suis dit d'un coup que je changerais d'idée. Ouais, je vais y aller avec ça. Je l'ai-tu emmenée ou je l'ai pas emmenée? Je l'avais emmenée, il me semble. C'est ça que je l'ai mis. J'ai beau préparer la vidéo, il arrive toujours quelque chose qui fait que... Bon, est-ce que je prends ce pinceau-là? Et où ma plume? Il me semble que je l'avais emmenée. Je l'ai pas amené! En tout cas, je la vois pas. Ok, je vais chercher ma plume et ben, je vais vous la montrer. Hein. Bon, je pense que vous l'avez. Oh non, tiens, je vais prendre ce pinceau-là. C'est un Fumio. Je vous mettrai en barre d'infos. Ça se vend en paquet et ils vont quand même bien. Avant d'avoir ma plume, j'utilisais ceux-là. J'ai un peu la flemme d'aller la chercher. Je sais qu'elle est en bas, là, mais bon. Je vais prendre celui-là. C'est un numéro 8. Je pense que. Va être correct avec lui, il est quand même plus gros que le pinceau réservoir d'eau. C'est juste pour pouvoir faire des plus grandes ondes. Donc, on va essayer ça. Vous voyez, ça fait un petit bout, puis l'aquarellé, puis je peux venir encore jouer dedans. Donc ça, c'est génial. Venir retravailler, remonter. Bon, je vais peut-être pas assez mouiller, là, mon pinceau. Donc, je vais jouer dedans jusqu'à temps que ben, je trouve que c'est correct. Donc, je vous laisse regarder, hein, les amis. Je fais un petit peu d'avance rapide. OK, bon, là, j'ai failli faire un dégât.
Là, ce que je vais faire, je vais prendre le hardbore de Derwent, toujours, et je vais prendre le blanc, et je vais venir en rajouter un petit peu, comme ça. Je vais venir prélever sur mon petit bâtonnet, et je vais en rajouter un peu tout le tour de mon bijou, parce que je me suis un petit peu emballée avec... avec mon pigment, donc je suis venue en rajouter un peu trop près, puis moi je voulais vraiment que ça reste blanc sur le tour, et là ben, je pense que je vais prendre un pinceau aux abords d'eau pour faire ça, ça va aller plus vite. Ok. Ouais, ça va aller plus vite. Ok, bon, je vous laisse regarder, on va devoir le faire sécher avant de pouvoir le terminer, celui-là, parce que, bon, comme je vous ai dit, je vais mettre les petites paillettes e-zinc roses, dans le fond. Je pense que ça pourrait être beau. Comme je vous dis, je commence à manquer un petit peu d'idées, hein? Mais bon, quand je vous montre du matériel, j'aime bien l'utiliser dans des vidéos. Puis, ben, je vous avais montré ces petits bâtonnets-là. Je pense que c'était dans un vlog, si je me trompe pas. Il me semble bien. Sinon, c'était... Non, c'était pas dans un haul. C'était vraiment dans un vlog. Donc, je vous avais dit en plus que j'allais faire un fond avec. Donc, c'est un peu comme les Neocolor 2. Hein. Si vous les avez pas, là, je suis certaine que vous pouvez retrouver des teintes similaires dans vos Neocolor 2. Donc, c'est juste un peu plus pour le modèle. Hein. On fait du petit rose. On s'amuse un petit peu comme ça avec le blanc. Bon, si vous êtes pas trop emballé comme moi, c'était censé rester blanc, hein, mais je suis venue trop près avec. Donc, on se dit, c'est pas grave, je vais utiliser le bâtonnet direct. Ok, bon, ça c'est correct. Et là, je pense aussi que je vais utiliser la première teinte qui était le Alazanine, le A58. Et je vais. J'aurais dû essuyer mon pinceau. Je vais en rajouter ici un peu sur les rebords parce que je trouve que ça a poli pas mal. En l'aquarella. Donc, je vais essayer d'en rajouter un petit peu. Une petite dose. Je le prélève directement dessus. Ok, bon, je vais le laisser sécher comme ça, et après, bon, on va venir appliquer les paillettes quand ça va être sèche, parce que là, je pense pas que ça va fonctionner si je les mets tout de suite. Donc, je vais mettre de côté, on va le reprendre tout à l'heure, on va aller, là j'ai fait une petite goutte ici, on va l'étendre. Vous voyez qu'on peut vraiment bien s'amuser avec ces petites barres-là, comme ça, je vous le dis, je comprends pas comment ça se fait que... Ben, je pense que c'est discontinué, hein? Je suis pas sûre, mais... En tout cas, chez H&M, c'était écrit que c'était discontinué. Mais comme je vous dis, il y en a encore à l'unité, il y en a pas mal. Donc, si vous avez un H&M près de chez vous, peut-être que vous pouvez en trouver à l'unité. Mais sinon, bon, les Neocolor 2, hein, ça fait pas mal la même job. Je suis encore en train de travailler dedans. Je dis que je vais le laisser sécher, mais je joue encore dedans. Toujours quelque chose qui me dérange. Ok, bon, là c'est vrai, je laisse sécher. Bon, je le trouve joli. Hein? Bon, il y a des petites marques qui n'ont pas voulu partir, mais bon, avec la paillette, on va essayer de régler ça. Je l'ai mis de côté, on va le reprendre plus tard. On va attendre qu'il soit sèche. Le temps qu'on fasse les autres fonds, de toute façon, on va avoir le temps de sécher. Donc là, on va y aller avec notre insecte, je pense. Ouais, on va prendre l'insecte dans le Summer Night. Et là, on va y aller avec les Easy. Donc là, je vais serrer les hardbores. Je vais aller remplir mon pinceau aux abords d'eau parce que là, je pense que vraiment, je vais utiliser ça pour le fond de celui-là. Donc, je vais vous dire toutes les teintes. Ça va être ceux-ci.
Je vais commencer avec le bleu phtalocyanine nuance rouge. Je vous le montre de plus près. C'est celui-ci. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que vous allez voir? Voilà. Ensuite, je vais y aller avec le bleu de Prusse imitation. Celui-ci. Est-ce que vous voyez? Je sais pas. Sinon, je vous les mettrai en barre d'infos. Bleu de ciruléum imitation. C'est celui-ci. Bon. Donc, on va utiliser ça pour faire notre fond. Et on va aussi utiliser cette peinture acrylique-là qui est de la marque Folk Flirt. C'est le argent. Je pense que ça pourrait faire un beau ciel étoilé. Et je vais utiliser aussi mon pinceau réservoir d'eau. Donc, je vais le remplir et je vous reviens après. Bon. Je vous reviens, pinceau rempli. Et là, je vais prendre des petits couvercles comme ça de panne pastel que je garde pour faire des trucs comme ça, finalement. Et je vais mettre mes encres là-dedans. Donc, je vais les placer en ordre. Donc, on va utiliser le bleu phtalocyanine nuance rouge en premier. Donc, je vais le mettre dans mon petit truc ici. On va mettre comme ça. Donc, je la mets de côté pour ne pas faire de dégâts. Ensuite, je vais mettre mon bleu de Prusse. Yeah! On va en mettre dans là. Allez, ferme-toi. OK, donc là, je le mets ici. Et ben, mon dernier, ça va être le bleu de ciruléum. Je vais le mettre dedans. Bon, j'espère que je vais être capable de faire quelque chose de beau. OK, bon, elle devrait pas sécher si elle est dans le plastique, on verra bien. Donc, je vais commencer avec la teinte la plus foncée et bon, je vais faire le même principe, hein. Encore une fois, partir foncé jusqu'au bonhomme. Ça va s'en venir plus clair. Donc, c'est parti mon petit kiki. Et regardez-moi comme c'est beau. Là, attention les amis, hein, ça traverse ce produit-là. C'est de l'encre, donc faut faire attention à ne pas utiliser dans des livres recto verso. Bon, vous direz, elle fait ça dans un livre d'Anna Carzone, c'est recto verso, oui. Mais c'est un livre de test, donc c'est pas grave, je l'ai en double. Parce que bon, j'avais racheté tous les livres de Anna Carzone en édition Muse, hein, vous savez. Donc ça, c'est une édition Gibbs Smith. Donc, je les utilise justement pour faire des spéciales fonds avec vous. Et là, ben, de la façon que je le travaille, je le fais un petit peu comme ça, là, un petit... Bon, en tapotant un petit peu, je fais quelques petits tourbillons, je m'amuse avec le produit finalement. Et j'espère que je vais arriver après, parce que c'est sûr qu'elle va être sèche, hein. Ça sèche quand même assez rapidement, ce petit produit-là. Et j'espère que je vais arriver à bien dégrader avec l'autre couleur, parce que... Bon, moi, j'avais acheté le bleu de Prusse, justement, à l'unité, chez H&M, parce que vous pouvez les avoir à l'unité, ces petits flacons-là. Puis, j'en avais acheté un pour tester. Donc, puis ma copine Mimi m'a offert un kit de 6, qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. De toute façon, vous avez vu, hein, à la vidéo. Si vous l'avez pas vu, je vous l'avais mis dans le petit. Donc, c'est la première fois que je vais tester de mélanger les couleurs ensemble. J'ai jamais fait. Donc, je me suis dit que ce serait cool de faire ça en vidéo avec vous. Ça, vous allez pouvoir voir. Et là, ben, j'arriverai pas à travailler de la même façon que j'ai travaillé en haut parce que je suis dans le bas puis j'ai pas tourné mon livre. C'est tellement beau, ces encres-là. C'est super pigmenté. Les couleurs sont trop, trop belles. Ça me donne envie d'acheter d'autres couleurs. Bon, je voulais avoir du bleu parce que c'est souvent des fonds bleus que je fais. J'adore le bleu, hein, vous savez, c'est ma couleur préférée. Puis je trouve que les fonds bleus, ça fit avec n'importe quoi. Bon, c'est sûr, j'irai peut-être pas avec un bleu foncé comme ça si je veux faire un. J'arriverai pas à le dire. Un ciel de jour, mais je trouve que. Bon, avec le bleu, là, on peut pas se tromper quand on fait des fonds. Donc, je vais continuer d'appliquer cette couleur-là et je vais vous revenir pour la prochaine. Vous voyez comment ça sèche vite? Et je vais vous montrer après l'endos de la feuille, c'est juste ça qui est un peu plate, c'est que ça traverse le papier. Peut-être à mettre du gesso dessus,
Peut-être que ça protégerait, mais bon, comme j'aime pas trop travailler sur le gesso, j'en ai, hein, j'aurais pu l'essayer. Mais bon, j'aime pas. Je vais probablement pas non plus finir le colo, on verra. Si j'aime beaucoup le fond, je vais peut-être le finir. Mais ouais, j'aime pas ça colorier sur le gesso, donc je sais pas. Si on mettrait du gesso, peut-être que ça traverserait pas le papier, j'en ai aucune idée. Vous me direz si vous avez déjà testé. OK, donc là, je vais bien nettoyer mon pinceau, hein, parce que c'est de l'encre, donc ça reste dans les poils. Et là, je vais utiliser la prochaine teinte. Je vais essayer de bien la mélanger à mon encre. Qu'est-ce qu'on va voir? Regardez comme c'est beau. J'adore cette couleur. Donc, je vais essayer de la mélanger comme ça, en faisant un peu de superposition et en tapotant. Et je vais rajouter un petit peu. Et là, ben, je vais terminer ça avec la dernière teinte. Je pense que je vais peut-être utiliser aussi un peu de gouache pour pouvoir mettre un peu de blanc au travers de ça. Donc, je vais faire la même chose. Je vais tapoter. Oh, j'ai un peu de misère à mélanger celle-là par contre. Je trouve que ça fait pas un beau fondu. Mais bon, comme je vous dis, c'est la première fois que je les utilise dans un fond. Que je me suis dit, ben, ça va peut-être être rigolo de faire ça en vidéo. Puis, ben, des fois, quand que j'ai de la difficulté avec des matériels, ben, il y a des copines qui me donnent ben, des idées en commentaire, qui me disent un peu comment elles travaillent avec les produits. Donc, ben, ça m'aide un petit peu. Donc, hein, on s'entraide, c'est génial. Et j'ai pas fait attention à mon insecte. C'est pas grave. Ah, je sais pas, hein. Je suis comme vraiment pas sûre, là. Pas sûre pantoute de mon affaire. Je pense que je vais reprendre un peu l'autre couleur après pour repasser un peu dessus. Donc, je sais pas trop. On va voir. On va voir ce que ça va donner. La date, c'est pas génial. Là, j'essaie de pas m'accrocher dedans aussi parce que j'imagine que ça doit tacher cette histoire. Ouais, je pensais que ça allait être le plus beau fond, celui-là, là, mais c'est pas parti pour ça, hein? Ok, bon, coudonc. Je vais repasser avec mon bleu de Prusse pour essayer de bien mélanger parce que là, j'aime pas la transition là, entre lui et les autres. Non, non, non! Ok, je nettoie mon pinceau. Là, je vais reprendre mon bleu de Prusse. Je vais passer un peu par-dessus. Je vais essayer, hein. Je ne garantis pas que ça va marcher. Petite transition là, qui me dérangeait un peu. Je vais travailler. Ici, surtout, c'était pas très beau. Ouais, ben là, ça marche pas pantoute. Je reprends l'autre, le premier. On va en mettre ici. C'est pas facile de le mélanger, je trouve. Peut-être que je m'y prends pas de la bonne façon. Peut-être que j'aurais dû commencer par la teinte la plus pâle. Je sais pas. Vous me direz si c'est un matériel que vous avez déjà utilisé, si vous avez des trucs, hein? Je suis preneuse, comme à chaque fois. Il
vraiment de... Je vais avoir besoin d'un petit peu de produit, hein? Un petit peu de bleu de Prusse, s'il vous plaît. Peut-être qu'avec la gouache, je vais arriver à corriger un petit peu. Je sais pas. On va voir. Puis d'après moi, on arrive quand même à... probablement à bien colorier sur ce produit-là, parce que ça, c'est de l'encre. D'après moi, on arrive à bien colorier dessus, donc c'est pour ça que... Ben, de toute façon, j'ai pas trop l'intention de finir ce colo-là. Fait, je m'en fous un peu de mon insecte, là. Je la vois si j'étais capable de bien mélanger, et je m'aperçois que c'est pas facile, hein? C'est pas un matériel facile à utiliser. Si on utilise juste une couleur, je trouve que ça va bien. Mais comme ça, là, j'ai de la difficulté. Bon, toujours bien moins pire là, que c'était. On arrive quand même à faire une petite quelque chose. Ouf. Pas sûr, pas sûr. OK, je vais prendre la gouache. Hein, je vais voir si j'arrive à régler le problème qu'il y a là. Là. Je suis en train de nettoyer mon pinceau. Allez! Ok, la gouache, je vais utiliser celle-ci. J'avais trouvé chez HM aussi, la Demco. C'est ma copine Mélissa qui me l'avait recommandée. Je vais me prendre un autre petit truc de pâte pastel pour mettre ma gouache dedans. Tadam! Et je vais la mettre pour ici. OK, donc là, avec la gouache, ben, je vais tenter de d'atténuer un petit peu. Je vais mettre un peu d'eau dedans. Qu'elle soit un petit peu plus liquide. OK, bon, c'est parti. Pas assez liquide. Bon, hein, on n'arrivera pas à rien faire avec ce fond-là, coudon. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des catastrophes dans mes spéciales fond. Mais bon, quand c'est du nouveau matériel, hein, des fois, je sais pas. On n'arrive pas toujours du premier coup. Bon, là, je reprends un peu les liquides qui me restent à côté. J'essaie de jouer un peu avec tous les pigments. Pour essayer de voir un bon fondu. Et là, la gouache est vraiment pas assez liquide. Je mélange un peu de bleu dedans. Ça va bien. Ah, je pense que c'est une bonne idée de mettre de la gouache. Ça fait pas ce que je veux. J'aurais peut-être dû utiliser mon pastel à l'huile Sonnelli. Je suis sûre que j'aurais été capable de... On passait à la l'huile sonnelier blanc, je suis sûre que lui, il aurait fait le travail. Il me sauve souvent la vie, ce pastel à l'huile-là. Bon, là, c'est vraiment laid. Que faire? Je vais prendre des pigments bleus, mais... C'est pas sûr, hein? Peut-être j'aurais dû mettre de l'eau dans mon pigment. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, hein? Si je mets de l'eau, peut-être que ça serait plus facile à mélanger. Aucune idée. C'est pas facile, là. C'est pas facile, ce petit produit. Ah, je vais faire un beau fond, hein. Là, je suis en train de faire vraiment de la grosse merde, hein. J'arrive pas à bien rincer mon pinceau. Moi, j'ai de la misère avec ça, les pinceaux réservoirs d'eau, là. Ben, de la misère avec ça. J'aurais vraiment dû emmener ma plume. Bon, je pense pas que j'aurais quand même réussi le fond, même si j'aurais emmené ma plume, mais bon. J'aurais moins niaisé que le pinceau, ça, c'est sûr. J'essaie d'y aller comme ça, là, en ne pas levant mon pinceau. Je vais le promener tout le long, comme ça. Je vais me prendre un peu de pigment. Essayer vraiment de sans lever le pinceau. Parce que j'ai tendance à tout le temps lever mon pinceau quand je
fais des trucs comme ça aquarellés. Bon, il n'y aura plus de pâle ici parce que ça marche pas. Ta-da-da-da-da. J'ai bien beau essayer là, mais je vous dirais que bon, c'est moins pire. Un petit peu. Ok, si je prends la gouache puis que je lève pas le pinceau, là, je lève moins. Parce que là, je mélange tout, hein. Je mélange les pigments, mélange la gouache, j'essaie de faire quand même quelque chose de potable, puis ça marche pas. J'espère que vous passez quand même un bon moment, que je vous divertis. Puis vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ses encres? Aïe, 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 aïe. Bon, j'y arrive pas, honnêtement. Je sais pas garder du pâle avec les encres. Je réfléchis. Je pense que je vais le laisser sécher. Puis, je vais utiliser mon pastel albinsonelli, je pense. Ça va être la seule solution parce que j'ai beau jouer dedans, c'est pas extraordinaire, hein? On mouche avec le petit bleu pâle. Comme un effet un peu tacheté. Vous savez, c'est pour ça que je fais ça, des petits trucs comme ça, mais ça n'est pas ce que je veux. Je sais pas. On va peut-être réussir à réchapper ce fond-là. Ça va avoir été compliqué. Bon, on verra. Avec la petite paillette. Des fois, la paillette, ça arrange les choses. J'essaie de me convaincre. En tout cas, on peut pas dire que c'est pas intense. Hein? C'est extrêmement pigmenté comme couleur. Bon, hein, c'est pas si pire. Ça a été long, mais j'ai quand même réussi à rattraper un peu le coup, hein. Bon, je dis un peu, c'est pas le plus beau fond que je vous ai fait, hein, on est d'accord. Mais, il est quand même potable, je trouve. À force de tapoter, là, de le travailler un peu, mais bon, je trouve que la gouache, c'était pas une bonne idée. Peut-être que je l'ai mal appliqué, mais je pense que c'est mieux de... Et continue de plutôt jouer avec les pigments comme ça. Et là, ben, je fais juste tapoter, hein, pour un peu mélanger mes couleurs comme ça en tapotant. Parce que je voulais vraiment avoir l'effet de petits. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais de petits tapotages. Et oui, ça sèche quand on les met dans ça. Donc, il faut faire attention de ne pas prendre des trop grosses quantités. Si on met de l'eau dedans, ça va, là. Mais sinon, ça sèche quand même. Ouais, je me rajoute un peu de pigment comme ça, puis je tapote. C'est un peu comme ça que j'ai réussi à le ramener un peu. Là, je reprends un peu. Celui-là, c'était le plus foncé. On va voir avec la paillette, hein, qu'est-ce que ça va donner. Bon, je vais arrêter de jouer avec, là. Je vais le laisser comme ça, on va le laisser sécher. On va revenir pour la paillette après. Donc là, on va aller avec l'aquarelle pour le troisième fond. Je laisse sécher celui-là. Je vais le mettre de côté. Et là, bon, on va prendre... C'est quoi j'avais dit, donc? Je me rappelle plus. C'est une catastrophe, ce spécial fond.
J'espère que je vais avoir des fonds potables à vous montrer d'ici la fin de la vidéo. Je me rappelle plus c'est quel je vous avais dit. Ah oui, c'est lui, les bouteilles de parfum. Que je sais même pas quelle couleur je vais faire. Mais on va y aller avec la palette d'aquarelle Artistro. Bon là, après le fond bleu, quand il va être sèche, on va prendre les extrêmes glitter là encore de la marque Folkart. Ça va être le or. On va venir le mettre par-dessus quand ça va être sèche. C'était-tu, j'avais dit? Non. C'est lui qu'on va mettre le argent sur le bleu. Et lui, on va l'utiliser pour notre troisième fond. On va y arriver. Bon, là, je vais faire un petit nettoyage. Hein. Je vais aller nettoyer mes petits couvercles de panne pastel, nettoyer comme il faut mon pinceau, puis le remplir encore d'eau parce que je vais l'utiliser pour le troisième fond à l'aquarelle. Et je vais aussi utiliser le médium de granulation de la marque Winsor & Newton avec Aquarelle Artistro. Donc, j'espère que le troisième fond va être plus joli. Donc, je vous reviens. Ok, je vous reviens avec les trucs tout propres. Et là, ben, je pense que j'ai allé dans des teintes de mauve. Je sais pas, j'ai envie de couleurs comme ça. On a fait un petit rose, un bleu très foncé. Et je commence à être contente de l'autre fond parce que là, je suis en train de le voir sécher. Puis je pense que ça va être beau. T'es pas sûr là, mais je pense qu'il va être beau. Donc, je vais y aller avec... je vais-tu avec du violet ou je vais avec des teintes comme ça? Je pourrais y aller avec du violet puis m'en aller vers le cerise. Je sais pas hein, si ça se ferait. On va l'essayer. On verra hein, si c'est pas beau ou pas. Tant pis. On fait des tests ensemble. Ok, je vais mettre des petites feuilles pour protéger. Même si c'est un livre de test, bon, j'aime bien mettre des feuilles. Comme ça, ben, ça me protège les autres feuilles pour pouvoir faire d'autres vidéos. Ok, le violet. Donc, ça va être lui. Parce que c'est difficile de voir dans la façon qu'ils ont placé le nuancier. Moi-même que je m'étais trompée dedans, je trouve qu'il est mal placé. Parce qu'il n'est pas égal avec les... vous avez compris, avec les godets. Bon, je vais commencer avec la teinte violet. J'espère que je suis vraiment sur la teinte violet et que je ne suis pas sur le deep blue. Là. C'est ça que je devrais me demander. J'ai l'impression que oui. C'est vraiment lui qui va le tester ici. Là. Ah ah, c'est le bleu. C'est le bleu ou c'est le mauve? Ça ressemble à du bleu pas mal. Ça veut dire que c'est pas lui. Bon, ça va être le violet hein, que je vais prendre, mais je vais pris la bonne teinte. C'est lui d'abord. Ça veut dire. Vous la voyez la palette? Oui. Okay. Bon, ben, je vais prendre celle-là. On va juste le tester. Mais non, c'est encore du bleu. Vous voyez, c'est bizarre comment il est placé. Il est où mon violet de bord? C'est lui ou c'est lui? C'est lui peut-être. Je sais plus. Je suis mêlée, hein? Je suis mêlée dans ma palette. Je l'ai pas bien utilisé la palette d'Artistro. J'utilise tout le temps ma King Art, mais je sais que en France, vous l'avez pas. Donc, je me suis dit que ça serait peut-être bien d'utiliser l'Artistro. Mais je la connais pas énormément, la palette. Ça doit être lui, là, le violet. C'est-tu lui? Oui, bon, je l'ai trouvé. OK. Bon, c'est parti. Je vais faire mon violet et ensuite, ben, je vous reviens. Après ça, je vais le dégrader avec lui, là, le genre de petit cerise. Puis là, je pense que c'est vrai que je vais utiliser mon pastel sennelier après. Bon, c'est parti. Je vous laisse regarder parce que, bon, je vais encore procéder de la même façon. J'aime bien faire ça, c'est ce que j'aime le plus quand je fais de l'aquarelle ou des trucs justement avec un pinceau, c'est de faire plus foncé jusqu'à ce que ça s'en aille plus pâle sur l'élément du colo. Donc c'est parti, je mets le mauve et ensuite je vous reviens pour la couleur suivante. Ok, donc là je vais y aller avec le cerise, je vais bien nettoyer mon pinceau.
Je trouve qu'il ne va pas super bien. Son réservoir d'eau. C'est vraiment dû. Il faudrait vraiment que j'arrête d'acheter des livres et je m'achète ce genre de choses-là, des pinceaux de réservoir d'eau. J'ai besoin des effaces pour mon efface électrique. Parce que je suis à ma dernière efface. Puis je me connais, hein, je vais attendre qu'elle soit toute finie avant d'en acheter d'autres. Dites-moi si vous êtes comme moi. Parce que moi, j'aime pas ça, acheter ces affaires-là. Les aiguisoires, les effaces, les pinceaux réservoir d'eau, justement, quand sont finis. Les blenders, quand sont finis. Là, je prends mon mauve un peu, hein, au travers, là, parce que je vais essayer de bien fondre. Vous savez que je suis pas la professionnelle de l'aquarelle, mais j'essaie. Et je pense que ça pourrait être beau de mélanger ces deux couleurs-là. Puis après de mettre un peu de sanglier blanc pour faire mon petit reflet blanc tout autour de mon élément, hein, qui sont mes petits pots de peinture. Pas mes pots de peinture, ce sont des parfums. Je joue avec les deux couleurs finalement. Je trouve que ça fait joli ici. Il faut que j'essaie de faire ça partout. Ça, c'est une autre tâche. Je vais rincer un peu le pinceau. Prendre mon petit cerise. Je pense que c'est la première fois que j'utilise ma palette d'artiste trop dans un colo. Oh, j'ai oublié de mettre du médium de granulation. Je vous avais dit que je mettrais ça, puis j'en ai pas mis. Et trop tard. Peut-être que je devrais en mettre un peu dans ma palette. Vous voyez, j'ai enlevé le truc pour pouvoir mélanger. Je vais mettre un peu de... Je vais essayer comme ça, j'ai jamais essayé. Juste pour dire un petit peu. Je vais venir la mettre directement. Je vais tremper mon pinceau dedans. Je vais venir la mettre dessus, voir ce que ça va me donner. Peut-être que ça va m'aider à mélanger les couleurs. Je sais pas, hein, tout ça comme ça. On ne sait pas. Peut-être un peu ici. Ça va me faire un peu de... Je pense que ça va me faire un bel effet. Je sais pas, je teste. Ok, là, je reprends encore du cerise. Parce qu'il y en a plus. Ouais, je vais appliquer mes couleurs, puis après, je vais mettre du médium directement avec mon pinceau, le médium de granulation. Je trouve que ça fait joli ce que ça fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Là, je vais en mettre un peu. Je vais m'en servir un peu comme pour... Vous mélangez mes couleurs. Un peu de médium. Bon, de toute façon, vous voyez ce que je fais. Parce que j'essaie de travailler quand même assez rapidement. Puis encore une fois, j'essaie de tapoter aussi un petit peu pour avoir un effet, justement, comme si c'était granuleux. Ma date, en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime bien ce que ça donne. Et ça, ce petit médium-là, là, j'adore. Je regrette pas d'avoir acheté ça parce que je l'utilise souvent quand je fais de l'aquarelle maintenant. Je trouve que ça fait un bel effet dans l'aquarelle. Bon, là, je vais quand même essayer... d'étirer, mais de toute façon, comme je vous dis, je vais prendre un peu de pastel à l'huile Sonelli par la suite, le blanc, pour faire des petits effets au travers de ça. Un peu de cerise. Et graduellement, mais ici, j'aime pas trop. Je vais prendre du médium. Il fait un beau travail, je trouve, le médium de granulation. Il mélange tout seul les couleurs pour faire les transitions. Là, je trouve que c'est bien. Je me
sers juste de ça pour négrossir. Ça me fait un truc plus pâle. Mais là, dans la palette, j'ai pas vraiment de couleur pour finir. Ça m'aurait pris un genre de rose un peu plus palette. Peut-être dans ma palette vintage pastel, là, ici. Il me semble avoir un rose qui pourrait faire l'affaire. Ouais. Celui-là, je vais l'utiliser. Le Apple Blossom. Je vais finir avec ça. Je pense que ça pourrait être joli. Le blossom. Ouais, je pense que ça va faire la job. Voyez-vous ce qui me fait mon pinceau réservoir d'eau? J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'eau qui coule, puis pourtant je l'ai rempli. Là. Il y en a de l'eau dedans. Mais on dirait qu'il n'a pas d'eau. C'est ça que j'aime pas les pinceaux réservoir d'eau. J'ai déjà eu des artisans, je les aimais bien ceux-là. Mais bon, ils sont plus bons, fait que je peux plus vraiment les utiliser. À peu près juste mon artistro qui est encore potable. Bon, j'aurais pu prendre ma plume, hein, mais... Ça me tentait pas d'aller la chercher, je l'ai oublié en bas. Oh, j'aime bien ce que ça donne pour le moment. J'aime bien la couleur. Bon, j'ai pas fini, là, mais... J'aime. Je commence à avoir un peu moins peur de faire des fonds à l'aquarelle. Je commence à prendre un petit peu plus confiance. Ah, là, ça, je veux pas ça. Par exemple, je suis en train de trop mélanger le mauve et le rose. Je vais reprendre un peu le médium de granulation. Parce que j'en ai plus. Je vais l'utiliser pour terminer, je pense. Je vais en mettre au travers. Ça me fait. Ça mélange mes couleurs tout seul. Je vous mettrai à bord d'infos, ça aussi, le petit médium. Génial. Moi, j'adore ce produit-là. Et j'ai pas trop accroché mes éléments quand même. Bravo, Zazuo. Peut-être que je vais le finir, ce colo-là. Parce que j'aime bien la couleur. Petite place que j'aime pas trop, que je vais venir retravailler un peu avec le cerise. Les artistros. Ici, là, mettons. Vous voyez que c'est un peu bizarre. Je vais prendre le médium de granulation. Je vais jouer avec. Peut-être même reprendre encore. Il était où, mon. C'est lui. Je savais plus où était mon violet. Bon, c'est peut-être pas le colo idéal, par exemple, pour cette couleur-là. Ça aurait peut-être été beau avec un colo avec une sorcière, je sais pas. J'aurais vu cette couleur-là pour une sorcière, je sais pas. Et là, moi, j'ai hâte d'être rendu au colo d'Halloween, je sais. La rentrée scolaire n'est pas passée, puis moi, je pense déjà à l'Halloween, oui. C'est ma fête préférée dans l'année. Donc, j'ai tout le temps hâte quand le mois de septembre approche, là. Je me dis, oh, c'est bientôt Halloween! J'ai hâte de colorier des sorcières, des monstres. Bon, je sais bien que je pourrais en colorier pendant l'année, hein, mais j'ai de la difficulté un peu à faire des, bon, on pourrait dire des colos hors saison, entre parenthèses, hein, parce que bon, il n'y a pas vraiment de. On peut colorier ce qu'on veut, hein, mais je pense que j'ai un peu saisonnal. Bon, ok. Je vais rincer le pinceau parce qu'ici, j'aime pas. Non! J'ai pas du mauve là! Je vais l'enlever. Ça a l'air qu'il va y avoir du mauve là. Je vais reprendre mon Apple Blossom, le Pastel Vintage. J'ai l'impression de plus savoir parler. Vous vous direz, as-tu déjà su parler? C'est vous? On va la travailler un petit peu là avec les petits roses. Parce qu'ici, je trouve ça bizarre.
Non, mais c'est bien tout ça. Je trouve ça quand même joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je suis en train de faire. Je suis en train de faire n'importe quoi. Faudrait que j'arrête parce que là, j'aime pas ce que je suis en train de faire. Mais mon pinceau se nettoie pas. C'est ta faute, pinceau, hein. Je vais le nettoyer comme il faut, là. Il vient vide, il y a plus d'eau dedans. Finalement, il y en a peut-être de l'eau qui coule, hein. Du pinceau, mais bon. Prochain spécial fond, là, si je vous fais encore des trucs avec de l'eau, je vais prendre ma plume. Parce que là, bon, il y aura un peu de mauve ici parce que je n'ai pas qu'à l'enlever. Ok, bon. Je vais le laisser se fouiller. On va reprendre nos autres fonds qui doivent être sèches pour pouvoir mettre notre paillette. Et quand lui va être sèche, on va y mettre de la paillette. Tiens, lui aussi. Fait que ça sera spécial fond, paillette et pinceau. Bon, ben à date, hein, vraiment, j'aime bien. Ben, j'aime la couleur. Je dis pas que c'est super bien dégradé et super beau, mais j'aime la couleur. Donc, je devrais les utiliser plus souvent de ma palette d'artistro. Bon, ok. Voyons. Pas capable de refermer ses affaires. Allez, attends là. Ah, je vais juste nettoyer ça. Oui, je suis fatiguante. Je nettoie tout à mesure. Ok, bon. Voilà. Artistro, terminé. Pattern Vintage, terminé. Et là, ben, il nous reste la paillette. Les petits trucs, le fun à faire. Bon, lui, il s'en va au séchage. Il va sûrement avoir le temps de sécher tant qu'on finisse avec nos paillettes. Sauf que là, je vais changer de pinceau. Je vais vraiment prendre un pinceau que j'utilise moins souvent. Ok. Bon, on va commencer avec le fond rose pour mettre la paillette Easy qui est tout sèche. Il est quand même joli, j'aime bien ce que ça a donné, les petits arbres. Bon, j'ai quelques petites taches ici que j'aime pas trop, mais ce que je pourrais faire pour les corriger, c'est d'utiliser mon pastel à l'huile sennelier qui me sauve la vie tout le temps. Donc, je vais vraiment colorier directement et venir jouer un peu avec mes doigts pour corriger certaines zones que j'aime pas trop, puis ça va me rajouter aussi un peu de pâle dans mon couloir. Par contre, chose que je pense que je vous l'avais jamais dit, mais je vais vous le dire. Le pastel à l'huile sennelier blanc, quand vous l'utilisez de cette façon-là, en venant colorier sur le papier, il ne va pas sécher sur la feuille. Il faut vraiment le fixer pour qu'il devienne sec. Sinon, vous allez pouvoir tout le temps jouer dedans et il ne séchera pas. Si vous l'utilisez avec des embouts doigts, là, un peu comme on fait avec les gélatos, hein, de plus en plus, bon là, il va peut-être avoir un peu plus tendance à sécher, mais il est tellement gras que, bon, moi, je vous conseille de le fixer. Moi, je le fixe tout le temps, parce que sinon, ça reste gras sur la feuille, puis si vous le fixez pas, ben, quand vous allez fermer vos livres ou que vous allez reprendre votre colo, puis que vous l'accrochez, mettons, avec votre ongle, ben ça va faire des traces dans votre pastel à l'huile. Donc, mieux vous le fixer. Donc là, je vais juste faire un peu le tour de mon bijou. Regardez, ça fait toute la différence, je trouve. Ça m'a réglé un peu mes petits problèmes dans le bas. Que j'ai des petites traces que j'avais pas réussi à enlever. Ça me fait une belle petite brume tout autour, comme si ce serait magique. Je pourrais faire des petits points blancs au travers. Bon, ok. Fait que là, lui, on avait dit qu'on mettait les Easy Ink rose dessus. Donc, on va le faire. On va rouvrir la petite compote. Je vais la mettre dans quelque chose, par exemple, parce que celle-là, je l'applique au pinceau. C'est pas facile de prendre directement le petit sachet. Donc, on va prendre ça. On va le mettre dedans. Et c'est vraiment bien, bien pailleté, ça. Bien, bien, bien pailleté. Pailleté à souhait, comme nous l'aimons. Je suis rendu à 1h13 de vidéo. Ok, donc là.
un pinceau hein, que j'utilise pas bien ben pour aquareller. Je l'utilise tout le temps pour faire de la paillette. Donc là, je vais l'écraser un petit peu dans mon petit pot pour pas avoir trop de pâté. Parce qu'elle est quand même assez pâteuse, cette paillette-là. Donc, je vais l'écraser. Et là, j'en ai tout plein de pinceaux, mais je vais essayer quand même de bien l'étendre. Je vais la tapoter. Allez, je vais tapoter comme ça pour pas avoir des pâtés. Je vais essayer de bien l'étendre pour que ça me fasse un résultat lisse. Et puis, je vais mettre la paillette seulement sur le foncé. Donc, je vais vous faire un peu d'avance rapide parce que sinon, ça va être plate pour vous de me voir tapoter mon colo. Donc, je vous laisse regarder. Et là, ben, les amis, avec ce qui reste sur le pinceau, je vais venir en mettre un petit peu ici pour que ce soit vraiment plus concentré paillette tout le tour, puis que près de mon élément, ce soit plus, plus discret. Et ça va vraiment nous donner un peu l'effet de les petites aquarelles Rembrandt là, que je vous ai montré quelques fois, que j'avais découvert sur la chaîne de Camille. Camille Coloriage, je vous mettrai le lien de sa chaîne en bord d'infos. Ça donne un peu cet effet-là, comme les aquarelles Rembrandt. Bon, si on le tapote comme ça, il faut vraiment faire attention de ne pas trop avoir de tapons de paillettes. Mais bon, ça fait très, 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 très longtemps. On m'avait demandé de montrer comment j'utilisais ces paillettes-là. Ben, je me suis dit... Ça, là, ça va être des bonnes paillettes pour faire un peu l'effet de l'aquarelle Rembrandt. Vous voyez ce que ça donne? C'est vraiment tout, tout, tout pailleté. Et je trouve que ça fait bien girly comme fond. Donc, je pense que c'est une bonne façon de les utiliser comme ça dans des fonds. Parce que c'est difficile de les appliquer juste sur un élément comme on fait avec le sticule. Hein, parce qu'ils font vraiment des gros paquets de paillettes. Puis c'est difficile de les... de les travailler. Donc, comme ça, je trouve que c'est génial. Et puis, ben, il y en a tellement des couleurs dans les easing que je pense qu'on peut beaucoup s'amuser. Bon, moi, j'ai la rose et la dorée, mais éventuellement, j'aimerais bien me procurer d'autres couleurs. Donc là, je vais me lever pour voir si vous voyez bien ce que ça donne, la paillette. Vous voyez? C'est tout pailleté et dans les teintes de rose. Donc, on reste dans notre thème de tout rosé. Et je trouve vraiment que ça donne vraiment l'effet de l'aquarelle Rembrandt, je trouve, quand on le met comme ça sur une couleur. Voilà, on va y arriver. Bon, là, comme vous voyez ici, j'ai un petit tapon. Ça me dérange un peu, mais je vais revenir un peu le tapoter. J'aime beaucoup ce que ça donne. OK. Fait que là, ben, on pourrait toujours, hein, avec un Posca blanc, j'aurais dû le faire avant de mettre la paillette, là, mais bon, on va faire... compléter un petit peu, faire des petits points comme ça pour que ben, notre petit bijou ait l'air tout magique. Donc, je vais en faire quelques-uns, mais de toute façon, je sais pas si je vais terminer le colo. Je penserais pas. Je vais le garder de côté quand même parce que j'aime bien le fond. Je trouve que ça fait joli avec la quoi. Pas l'aquarelle, avec les paillettes. My God, j'ai la misère. Donc voilà, hein, vous avez compris le principe. On met des petits points pour faire un petit effet magique. Et là, ben, je pourrais en mettre dans partout où est-ce que c'est pâle. Donc voilà pour le fond tout rosé, tout pailleté. J'aime bien. OK, donc là, ça c'est fini. On va aller maintenant avec celui avec les encres parce que lui aussi, il est sèche. Et regardez, je suis quand même contente de ce que ça a donné. Comme tout à l'heure, j'étais pas sûre, mais là, je trouve que c'est joli. Et là, ben lui, vous vous rappelez, je voulais mettre cette paillette-ci. Donc là, je vais le brasser parce que c'est la peinture acrylique et ben, il semble avoir un peu de liquide. Donc moi, je veux vraiment avoir de la paillette. Je vais procéder de la même façon. Je vais prendre encore un truc de panne pastel. Je vais la faire couler dedans et je vais venir la tapoter encore avec un pinceau. Quand même assez gros, le pinceau. On va y arriver. Elle est un petit peu pâteuse, elle aussi. Donc, celle-là, ça va être vraiment de la paillette fine, fine, fine.
Je vais essayer de vous le trouver sur Amazon, mais moi, j'avais acheté ça chez Michael. Ils en ont plein, 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 des trucs comme ça. Je vais essayer de vous le trouver quand même. Je pense que sur Amazon, ils l'ont, mais je suis pas sûre. Si vous le trouvez pas en barre d'infos, c'est que je l'ai pas trouvé. Donc là, je prends un vieux pinceau comme ça, que j'avais dans mes trucs, que je n'utilise jamais. Mais je me dis que pour appliquer la paillette, ça pourrait être bien. Donc, je vais faire la même chose. Je vais tapoter. Mais là, je ne sais pas. Lui, je vais-tu vraiment aller partout ou je vais juste rester dans mon foncé? Je pense que oui. Donc, je vous laisse regarder parce que ça fait un peu de bruit. Vu que je tapote, mon bureau bouge puis ça fait du bruit. Donc, je vous laisse regarder. Je vous reviens un coup que c'est terminé. Et là, les amis, je vais aussi prendre du Mod Podge argenté pour avoir deux sortes de paillettes. Et je vais en tapoter aussi de celui-là. Et ça, je sais pas pourquoi je les garde, là, ça devient tout dégueulasse. Je vais l'enlever. Et là, ben, je vais aller chercher directement dans mon petit pot parce que j'ai pas envie de le sortir. Et je vais rajouter un peu de lui au travers. Bon, là, ça sera pas très beau parce que ça va faire du blanc, mais quand ça va sécher... Le Mod Podge, c'est toujours comme ça. On voit la paillette quand ça sèche. Donc, je vais en rajouter de celle-là. Ça va me faire deux sortes de paillettes. Donc, voilà pour celui-là. Bon, là, il n'est pas complètement sèche. On va y laisser un peu de temps de séchage. Je vous le remontrerai. Il faut juste y enlever ça, là, les petits trucs, parce que c'est tout collé. Et là, ben, il nous reste hein, notre dernier fond qu'on a fait avec l'aquarelle Artistro. On va y mettre lui aussi de la paillette. On reste dans le thème. Et là, ben, on va y aller avec une paillette dorée. Et on va prendre celle-là, la Extreme Glitter de Folk Flirt. Je vais aussi la mettre là-dedans. Je vais bien la brasser, celle-là aussi. Et elle aussi, si je me rappelle bien, les paillettes étaient fines, mais elle fait du blanc comme ça. Un peu comme le Mod Podge. Elle va devenir belle quand elle va être sèche. Et là, je vais me prendre un petit pinceau plat comme ça. Et je vais l'appliquer en ligne, comme ceci. Donc, je vous laisse regarder. De toute façon, il va falloir la laisser sécher pour que le blanc disparaisse tout et qu'on voit que de la paillette dorée. Donc voilà les amis, tous les fonds sont sèches, donc on a celui-là, le petit rose, avec les hard bars et la paillette Easy Ink. Ensuite, ben celui-là, hein, je vous avais dit que le blanc allait tout partir quand ça allait être sèche, donc vous le voyez, c'est très 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 fin comme paillette. Donc voilà, avec la palette d'Artistro. Et ensuite, ben celui avec les angles que je pensais pas aimer, puis finalement, c'est mon préféré. Donc bon, j'ai peut-être abusé un peu trop sur le Mod Podge, mais bon, j'aime bien quand ça brille, vous savez. Donc, ben voilà, hein, ça va mettre fin à notre spécial fond. Bon, ils sont pas mal similaires, hein. Je sais pas, j'étais pas inspirée. J'avais envie d'utiliser mon matériel, puis utiliser de la paillette, puis ben, j'avais envie de faire ça en vidéo avec vous. Donc, n'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré dans les trois fonds qu'on a fait. Ça m'amuse de voir vos commentaires. Donc, si cette vidéo vous a plu, ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazou, mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.